Comment tu vas, Ibrahim? Ça va bien? Ouais. Merci. Tu viens d'arriver? Ouais, tout, je viens d'arriver. Hein? Ok, merci. Ah oui, la famille, ça va un peu? Alors, Antonio, oui. Alors, ben, Clément. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'aimerais très rapidement, dans cette vidéo très rapide, que je vous prie humblement, amicalement, de bien vouloir partager. Nous avons décidé de ne plus revenir sur la nouvelle que nous avions annoncée la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de supputations. Foyon Bill, comment tu vas, mon cher frère Foyon? Depuis ta position. Nous avons eu beaucoup de supputations. Nous avons entendu beaucoup de propos. Nous avons entendu beaucoup de ragots. Et nous avons décidé de ne plus nous prononcer sur la situation de Bobli. Nous avons décidé de ne pas tomber dans la propagande, dans le populisme. Et pour ne pas dire dans la démagogie. Nous avons décidé de ne pas tomber dans la récupération. Nous avons décidé de ne pas rentrer dans les buzz inutiles, futiles et puériles. Nous avons décidé de passer à l'essentiel. Nous avons décidé d'être objectifs, d'être concis et précis. Nous avons décidé d'être rationnels. Nous avons décidé d'être intelligents. Nous avons décidé de nous mettre au-dessus des injures. Nous avons décidé de nous mettre au-dessus des sottises, des bêtises et des bassesses. Nous avons décidé d'être élégants face à la dépouille de quelqu'un. Nous avons décidé de ne pas être des croque-morts, de ne pas faire de la supputation, de ne pas chercher à faire de la récupération et d'être celui-là même qui a beaucoup de visibilité sur la mort de quelqu'un. Nous avons affirmé, nous avons confirmé, nous avons dit et nous n'allons jamais nous renier. Beaucoup ont parlé. Nous avons été insultés. Nous avons été traités de tout par certains. Nous avons encaissé. Nous avons acquiescé. Nous avons supporté. Nous avons pris avec beaucoup de philosophie les injures, les écarts de langage, les insultes. Nous avons été interpellés par-ci par-là, par certains des camarades qui, ma foi, n'ont pas hésité à nous traiter de croque-morts. D'autres même disaient que nous sommes des mythomanes parce que ils voulaient voir le corps de Bobli. Et que nous qui avons annoncé, n'est-ce pas, nous qui avons, selon eux, annoncé sa mort, nous devrions obligatoirement venir ici dans une clarté qu'ils veulent savoir, c'est-à-dire que exposer son corps. Nous avions été interpellés par beaucoup de blogueurs, par beaucoup de followers. Nous avons décidé, par humilité, par respect pour une dépouille, ne pas être trop bavard. Ne pas être bavard, c'est-à-dire qu'être silencieux face à la mort. Nous avons affronté les critiques, supporté les injures. Nous sommes déjà guéris, nous sommes déjà aguerris, avertis et alertes. Personne ne peut nous déstabiliser, personne ne peut nous ébranler à travers une vidéo ou commentaire. Je suis une ampoule grillée qui n'a plus peur de court-circuit. Je suis quelqu'un qui, ma foi, a un cerveau très très robuste et un comportement trempé et très fougueux, très fort et courageux. Face à l'adversité, j'affronte, je ne fuis pas. J'affronte, je ne me dédie pas. J'affronte, je ne me contredis pas. Quand j'affirme, je quitte dessus, je mets point et puis je passe à autre chose. Dans la situation de Bobli, nous avions affirmé, nous avons confirmé, nous venons ici ce soir certifier. On vient ce soir certifier parce que d'aucuns veulent que je puisse parler. Ma sortie de ce soir, elle est exceptionnelle parce que la nouvelle, elle est exceptionnelle. Voilà. La nouvelle, elle est exceptionnelle, donc je sors. Sinon, j'avais décidé. Après le conseil de mes tendres et chers amis et fiers amis qui me donnent des bons conseils en inbox, dans les WhatsApp, des personnes qui m'aiment. Je vais saluer ici Rocky, elle se reconnaîtra. Alicia, elle se reconnaîtra.
ces personnes-là qui me donnent des conseils, avertis, m'ont dit, sous les passes à autre chose, tu es un politique, on te connaît sur ce terrain-là. Je suis passé à autre chose. Et je pense qu'elles seront, ils seront surpris de me voir mettre ici, et, comment dirais-je, le titre de Bob Lee. Permettez-moi de prendre toute ma place et toute ma part. Puisque j'ai été sollicité, je prends toute ma place. Frères et sœurs, il est encore difficile d'affirmer des choses qui sont humainement inacceptables. Ils sont en train de vouloir partager quelque chose de selon nous. Il est souvent difficile de pouvoir accepter certaines choses parce que la mort, elle est difficile, elle est incompréhensible quand elle vient à toi ou bien à l'un de tes proches. La mort ne visite pas les uns et puis en laissant les autres. C'est écrit dans les livres saints, des paroles incontournables, des paroles inspirées, que toute âme coûtera à la mort. Je puisse ici vous annoncer que nous avons reçu le programme funèbre de notre frère et regretté Bob Lee. Nous allons ici vous communiquer ça, ici et maintenant. Communiqué officiel. Après nous être entretenus longuement avec la famille de feu Gilles Masson et la mère des enfants, nous vous présentons le programme des obsèques du célèbre blogueur Gilles Masson alias Bob Lee. Programme des obsèques de Bob Lee. Veille funèbre le samedi 15 juillet 2023 de 7h de 7h PM 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 19h à 2h du matin, adresse 337 South Orange Ave, Newark, suivi du transfert du corps le 22 juillet 2023 de New York à Abidjan. Je vais mettre ici le communiqué ici. Bob Lee l'a veillé parce qu'ils ont dit que c'est sur le de Paris qui était venu annoncer qu'il y aura levé de corps. Donc je vous annonce ici, je vous donne le programme ici maintenant, sur ma page Facebook. Ici en direct, je vous donne le programme de Bob, je vais attendre deux secondes, je vais me connecter sur ma page ici avec vous, puisqu'il y a des commentaires qui sont là. Je vous donne le programme ici, pour que vous soyez tous informés. Voilà. Je viens de publier sur ma page là maintenant. Vous allez voir le programme est là, je vais épingler. Pour que personne de vous ne soit étrangère à ce programme là. Deux secondes. Je vais voir si moi-même, je ne vois même pas sur ma page. Je viens de publier le programme des obsèques de Bob Lee. Le 15. Mettez la cœur. Ouais, toujours. À pomper. Mettez la cœur. Ouais. Mettez la cœur. Le 15. Ne pas mettez la cœur. Voilà, le 15. Le corps de Bob Lee sera transféré à Abidjan. Je suis en train de. Deux secondes, je suis en train de chercher à mettre également sur la page ici. Voilà, parce que je viens de publier. Je ne sais pas si vous avez reçu. Maman, je ne vois pas. Je ne vois pas ici. Voilà, attendez, je vais mettre ici. Je vais épingler ici. Voilà. Voilà. Je vais essayer d'épingler. Voilà. Je viens encore de publier ici. Je ne sais pas. Bon, moi, je ne vois même pas le programme. Voilà, je vais publier. Voilà. Voilà. J'ai épinglé là. Là, j'ai épinglé. Je vais d'épingler ici. Voilà, maintenant. Voilà. Et donc, j'aimerais ici, à travers cette petite vidéo, m'arrêter là. Pour vous informer ici officiellement que le programme d'obsèques de Bob Lee s'est ainsi intitulé. Après concertation des frères et sœurs ivoiriens aux États-Unis, également les proches, sans oublier la famille nucléaire de Bob Lee, la mère des enfants de Bob Lee, Gilles Masson, le programme des obsèques est là épinglé. C'est le 15 juillet 2023 à 19h, de 19h à 2h du matin, la veillée funèbre. Maintenant, c'est à où là? À Catholic Church, Saint-Antonimus Catholic Church, suivi du transfert du corps de Bob Lee le 22 juillet 2023
de New York à Abidjan. Je viens ici de vous... N'oubliez pas que ce qui a été mis en place par la famille, c'est-à-dire que le GoFund est toujours d'actualité. J'en ai terminé. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt, toujours avec le même plaisir. Que Dieu accueille notre frère et regretté Bob Lee dans son paradis. Il est dit, pleurez avec ceux qui pleurent et riez avec ceux qui rient. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Actuellement, il a une famille éplorée. Nous avons parlé et nous ne reviendrons plus jamais sur ça. Malgré les injures que nous avons reçues, malgré certaines personnes qui voulaient que nous venions ici exposer son corps, nous avons été très fermes. Nous avons été rationnels sur notre posture, sur notre prise de position. Nous adressons ici nos condoléances les plus attristées à la famille nucléaire biologique de Bob Lee, à ses enfants, à la mère de ses enfants, à ses amis proches, à tous ses intimes, à ceux qui aujourd'hui, à ses followers, qui ma foi ne se bougent pas pour cotiser pour son GoFund, pour que son corps puisse partir. Mais comme c'est déjà annoncé, vous avez le programme, ainsi va la vie, que Dieu accueille Bob Lee dans son paradis. Mon cher frère, passez-moi tous mes respects. Je vous remercie. Celui de Paris. Merci.